or they try to. Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver sur The Minikake TV. Et aujourd'hui, on va parler de Clash Royale, ou plus particulièrement d'un combat de Clash Royale qui est hallucinant ou incroyable. Vous avez fait peut-être une égalité dans Clash Royale, ça c'est une égalité, mais de 3 couronnes chacun, une égalité parfaite, 3 à 3. Et pour vous remettre sur pied de ce combat, je vais vous offrir un petit pack opening avec un coffre géant, un coffre magique, des coffres de clan et plein d'autres coffres. Donc voilà le combat. Au passage, roue droite est dans la Golfier Team. Donc là, il va poser les gargouilles. Son adversaire va poser le prince et leur gargouille. Désolé, je parle pas trop, mais c'est pas pour vous gâcher tout le combat. Donc là, il gère avec un zap. Il fait tomber la tour d'un côté et l'autre aussi. Donc les barbares et les qui tapent, mais l'autre il met la ramée de squelette. Lui il gère la ramée de squelette avec les flèches, mais il n'en reste qu'un seul. Ça va pas causer de dégâts normalement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous pose, roue droite? Il nous pose un sorcier. Pourtant, il a la boule de feu. Et il ne défend pas avec la boule de feu. Après, il gèle le prince. Ah ouais. Donc là, le côté positif, c'est qu'il a tué toutes leurs gargouilles, mais là, il peut pas défendre. Ah si, il a bien géré. Avec un petit zap. Là, il va mettre ouais, les flèches. Comme si de rien n'était. Après, il va poser quoi? Un autre chien gobelin avec le miroir. Il va poser le sorcier. Le gel. Donc là, son arbre de squelette est de niveau 8. Donc ça a l'avantage. Il va mettre les barbares d'élite. Et là, tout se joue avec le temps. Et il loupe un barbare d'élite. Et là, rien du tout. Il lui reste 90 points de vie à l'autre. Lui, il met la boule de feu, 242 points de vie. Qui va gagner ce combat épique? On se le demande bien. Et les gargouilles, et les gargouilles, allez! Et voici le 3 à 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Clash Royale vous a plu. Après, maintenant, on va passer au pack opening. On va commencer par les coffres gratuits. Aussi, il y a un coffre de clone que de niveau 7. Mais on va commencer par les coffres gratuits. On enlève la musique. Et on va commencer par le coffre gratuit. 80 d'or. Une pierre tombale. Du barbare. 1400 piles barbares, c'est bien. Après, on va passer à l'autre coffre gratuit. 84 d'or. Une tour de l'enfer et on finit avec 10 barbares d'élite. Après, on va passer au coffre en or.
238 d'or, 3 chevaliers, 11 mortiers, 17 gobelins et 4 fournaises. Malheureusement, pas d'épic dans ce coffre. Après, on va passer à l'autre coffre en or. 229 d'or, un seul bélier de combat, 2 mini pukas, 3 énergies. On n'aura pas une épique. Et un garde. Ça fait déjà une épique. Une épique dans ce petit pack opening. On commence bien. Après, on va passer à l'autre coffre. 244 d'or, un géant, une 3 mousquetaires, 2 béliers de combat et 31 canons. C'est presque le coffre de cartes rares. Après, il n'y a que les canons en commune, mais c'est le coffre des rares. Après, on va passer au coffre à couronne. 533 d'or, 3 gemmes, 16 archers. On commence pas mal déjà sur le canon. 46 argarbons. Il nous manquerait toutes les rares. J'espère qu'on a tout. 7 gobelins sarbacane. On a toutes les rares. Du bourreau. En plus, je sais qu'il le joue, donc c'est bien pour lui. Ah, du bourreau. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu dans le coffre comme ça. Après, on va passer. Allez, au coffre magique. Ouais, au coffre magique. 639 d'or, 8 chevaliers, 10 gargouilles, 5 béliers de combat, 7 fournaises, 9 géants, il en manque que 2 pour le passer de niveau 7. 63 gobelins lance. Malheureusement, il nous manque les épiques, donc pas de légendaire dans ce coffre. On finit avec 3 PK, carte qui est pas mal depuis les mises à jour, il se développe plus vite. Après, on va passer au coffre de clan. 1008 d'or, 20 000 d'or là. 14 gangs de gobelins, 47 bombardiers, une rage, une tornade, 88 gargouilles. Ça sentrait pas la légendaire là. Non, 17 gobelins sarbacane, j'avais oublié les rares. Ah, c'est vrai. Donc là, on va passer à l'autre compte. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on y est sur un autre compte. On va passer au coffre gratuit. 80 d'or, 2 gemmes, une Valkyrie, 10 canons. Ouais. On va passer à l'autre coffre. 84 d'or, 9 gobelins et 2 pierres tombales. 2 rares. Pas mal de rares. Après, on va passer au coffre en or. 209 d'or, 3 chevaliers, 11 archers, 18 esprits de glace et 3 mousquetaires. C'est pas la carte 3 mousquetaires, mais c'est 3 mousquetaires. Allez. 236 d'or. Un esprit de feu, peut-être un peu plus. Voilà, petit canon, mais on n'a pas toutes les communes. On finit avec 21 gangs de gobelins et 3 géants. Après, on va passer à l'autre coffre. 228 d'or. 9 bombardiers. 10 gangs de gobelins. 13 chevaliers et 3 fournaises. En attendant, on n'est qu'à 3 épiques dans le pack opening. Allez, 520 d'or, 3 gemmes, 12 gangs de gobelins. Ça sent bon là. 7 extracteurs, ça sent bon là. Il nous faut tout le coffre. Ouh, 50 zaps. Quel épique on a cette fois? On a du PK. Comme je vous l'ai dit, je l'aime un peu plus depuis la mise à jour. Il se déploie plus vite. Après, on va passer au coffre géant. 1953 d'or. Un bourreau! Le bourreau que j'aime bien. En plus, dans un coffre géant, c'est rare. 28 cabanes à barbares. Et on finit avec les communes. 256 arbres qui se rapprochent du niveau 11. Il en manque plus que 70. Et après, on va passer au coffre de clan.
Allez, on ouvre. S'il veut bien, voilà. Mille huit d'or. 11 bombardiers. 36 bombardiers. 38 archers, on a toutes les communes là. Et non. 66 zap. 4 zap pour lui passer niveau 11, ça c'est dommage. Une sorcière. 16 béliers communs. C'est de l'arnaque, ils nous ont même pas donné 2 épiques. C'est de l'arnaque. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette égalité parfaite à 3 couronnes. Dites-moi dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et cliquez sur ma tête pour vous abonner. En attendant, moi je vous fais un quiz royal.